Mais bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau live sur Volson. Je parle pas trop fort parce que j'ai la voix qui est en train de partir un petit peu en quenouille. Donc c'est un peu embêtant. Je vais éviter de m'arracher la gorge ce soir, surtout que les petits sont en train de faire dodo. On est reparti sur Volson. Je ferai juste un petit arrêt dans 2-3 minutes pour aller checker un aspect technique de la télé dès que c'est prêt. Et puis on est parti. Donc aujourd'hui, donc il est un peu plus tard que d'habitude, il est 21h20, mais ça n'empêche que c'est mieux que hier. Ça va nous faire un peu plus d'heures de farm, un peu plus de quart d'heure de farm, pour que ce soit vraiment intéressant. On est reparti dans la continuité de ce qu'on faisait hier. On va monter un petit peu. On va monter un petit peu ça parce que là hier j'ai dû arrêter avant la troisième partie, donc c'était un peu embêtant. Donc je rappelle ici pour la partie vétéran, tous les levels en fait, donc 43, 46, 49, quand on lance une expédition, on a 3 niveaux à faire. Donc ça veut dire que si je lance la 49 ici, si je termine mes 3 niveaux de difficulté, je débloque le niveau 52, forcément. 49 plus 3, ça fait 52. Et ainsi de suite jusque très loin apparemment, donc ça c'est cool. Et à chaque fois ça augmente la productivité, le niveau des ennemis forcément. Les découvertes magiques. On peut y insérer des cartes, j'en ai, mais j'ai pas envie de les gaspiller maintenant, vu que je suis qu'au début, ce serait un peu dommage. On va essayer d'en farmer un peu plus. Tac, on va lancer ça. Faut juste essayer de refaire assez de thunes pour recraft des armes. Ce serait chouette. Allez, traquer des ennemis. Pas tout à fait par là que j'étais parti, mais c'est pas grave. Il est où le bestiau? Pourquoi j'ai plus de rage? Thank you.
ça va. Ça fait des dommages, c'est tout ce que je lui demande. Républicain, républicain. Bah ça va, j'applique quand même pas mal de faiblesses en fait. Donc c'est cool, tranquille. Il faudrait que je teste un petit peu comment les afflictions sont faites. Je pense avoir compris hier que plus l'affliction, enfin plus le dommage élémentaire est haut, plus ça prime dans l'ordre d'affliction. Donc par exemple hier j'avais équipé une arme qui me mettait plus de d'électricité et de poison, et forcément ça primait sur le sacré et le bleed en fait. Donc à mon avis ça doit fonctionner comme ça. Donc c'est bon à savoir. Tac. Ça c'est mis. Voilà. J'arrive tout de suite. Voilà, on est parti. C'est parti. Oh oui. Ah bien ça. 156, 257 avec des dégâts du sacré. Un petit peu de dégâts physiques. Vitesse d'attaque. Score de coup critique des attaques, dégâts physiques des attaques avec cette arme, ok, dégâts sacrés, donc ça c'est bien, ça aurait pu être mieux, mais je garde, on verra par la suite. On va déjà avancer un peu, puis quand je verrai que je fais pas assez de dommages, on partira sur une autre arme. À moins que je trouve vraiment quelque chose qui soit tip-top ce qu'il me faut par rapport à ce que j'ai déjà. J'ai de quoi faire avec ça. Oh putain, il fait mal. Il fait mal.
41 de vie, chouette. La zone d'effet augmente sur le temps. Là, je vous suis. Bon, on va aller se farcir le boss. Puis niveau 2. Puis niveau 3. Si je bouge le jeu, par contre, ça va pas aller. Une attaque que j'aimerais bien réutiliser, c'est le lancer de Gavanir.
Pourquoi j'ai plus d'orage? C'est bien la première fois que ça m'arrive. C'était chaud. Alors, un hôtel de vente. Ouais, il y en a un là. Allez, niveau suivant. Ah, j'ai eu un peu peur là. C'est chelou comme truc. Ça fait déjà deux fois qu'il m'arrache et vient de se faire bouffer comme pas possible. Ils ont fait une mise à jour, mais j'ai pas lu qu'il y avait de mise à jour par rapport à ma classe en plus. Enfin, par rapport à ma classe, il n'y a pas de classe dans Wolsen. Mais. C'est chelou. Remboursé.
It's not happening. Bien, petite montée de level. Vitesse de déplacement, rage par coup, score de résistance, vitesse d'incantation, vitesse d'attaque, génération de globe de santé. Ok. Clair et net, j'applique bien ma faiblesse. Ça, c'est bien. C'est ça en fait qui va m'intéresser. Chaque fois que je vais bloquer, je vais infliger des faiblesses. Je me demande si je devrais pas partir comme Maxou a fait sur bouclier arme à une main, augmenter mes chances de blocage, donc augmenter les chances que les ennemis autour se chopent des afflictions. Bloqué avec n'importe quelle arme. Allez, encore un niveau. Et je vais pouvoir mettre du blocage. Déjà cette teinture. J'ai déjà passé par ici.
Ok, direction le boss. Alors, je chope un bouclier et une bonne arme à une main. Je l'ai pas tué tout de suite, j'attendais qu'il génère un peu plus de mobs en fait. Profiter du fait que justement il génère des mobs pour me filer un petit boost d'XP. Tant qu'à faire, je pouvais me le permettre vu que il me faisait pas énormément de dommages. Faut que je relise. Bloquer un coup inflige la faiblesse. Inflige deux applications de faiblesse à toutes les cibles dans un rayon de 7 mètres lorsque vous bloquez une attaque. Si cette note fonctionne, c'est potentiellement bourrin en fait. C'est ça. Ouais, j'ai cru qu'il y avait une petite occurrence d'un boss particulier. Mais ça régène vachement bien en fait. Les derniers niveaux, hop là. Yippie, yippie.
Yipai, je sais pas si je l'ai bien dit parce que ça me semblait fort phonétique et un peu chelou. Bonsoir, sombre étoile, comment vas-tu? Tu viens me tenir compagnie. Installe-toi, prends un siège et profite du spectacle. Petit scarabée, viens voir papa. Et mourir sous mes coups de hache, c'est plutôt sérieux? Je vais arriver. Bonsoir, bonsoir. J'arrive 2 secondes, je vais porter assistance à personne en détresse. Voilà, je suis de retour. Donc, où en étais-je? J'étais en train de réfléchir à voix haute sur le fait de changer mon arme à 2 mains pour une arme à 1 main avec bouclier. Un peu comme l'idée que Maxou avait à la base. Je lui pique pas hein, parce que lui veut partir sur autre chose, tout à fait autre chose. Et je me pose la question, est-ce que cette note-ci fonctionne? Bloquer un coup inflige la faiblesse. Parce que si elle fonctionne, parce que bien sûr, y a pas mal d'infos qui circulent sur certaines notes qui sont un peu pétées parce qu'elles fonctionnent pas. C'est la grosse incertitude, il faudra qu'on le teste. Parce que si elle fonctionne, ça va être méchamment bourrin en fait. Si elle fonctionne, est-ce que ça fonctionne pour chaque blocage dans un rayon de 7 mètres? Si j'inflige 2 faiblesses à tous les mobs, je sais pas non plus. Donc ça va être un peu le test qu'on va faire dans 1 ou 2 niveaux en fait. Je dois d'abord aller chercher des chances de blocage et puis après on va tester. De toute façon, il faudra que d'ici 2 ou 3 niveaux, je pense à respecter complètement mon arbre de talent, parce qu'il y a 2-3 notes que j'ai mis un peu, enfin misclic, et qui au final me consomment des points de la roue pour rien. Donc va falloir que je refasse le ménage dans pas longtemps. Et toi, ton endgame se passe bien? Un peu de ménage de printemps par avance. Ouais, bah le printemps, il est là depuis 3 mois, quoi. Enfin, un printemps de merde, mais. Je sais pas pourquoi, mais ils ont dû faire un chipotage au niveau du mana, pas du mana, au niveau de la rage, parce que j'ai l'impression d'avoir de plus en plus de soucis de rage, alors que a priori j'ai rien changé dans ma manière de jouer. Plutôt oui, mon build paraît plutôt viable pour l'instant, et ce soir je passe level 60. Oh. Level 60, et tu farmes des zones de level 60 aussi? Ou t'as réussi à faire des zones plus loin, enfin des expéditions.
Je reste à mon level et je monte tranquillement. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Là, je suis 52, donc là, je fais le niveau 3. Attends, 49, 50, 50. Ah ouais, 51. Donc en fait, je sais pas compter depuis tantôt. Je dis que je vais faire le 52 là tout de suite. Mais non, c'est bien le 51. Donc voilà, ouais, là, je suis à mon niveau pour le moment. Ça se passe bien. J'ai pas de soucis. Il y a juste un type de boss qui me pose problème pour le moment. C'est les gros dreadnoughts qui sont assez chiants parce que ils font assez mal. Ils ont une grosse AOE d'électricité et quand je me la prends en général, je suis naze. Donc en général, je meurs au moins une fois sur chaque. Faudrait pas que j'en rencontre trop dans une partie. Massue à demain. Je continue à prendre des trucs à demain, on sait jamais. T'es pas le seul. Ouais. Je pense que tout le monde. Oh là là. Ombre, éther, physique. Oh putain, elle est bien. C'est plus du tout du Holy Bladestorm. Hein. C'est du Occult Bladestorm. Dégâts critiques. Score d'affliction matérielle. Mais j'en ai plus, ça c'est un peu dommage. Si je l'équipe. Elle est trop sexy en rose comme ça. Au niveau des afflictions, ça fait que je fais quoi maintenant? Infliger stase et malédiction. Donc malédiction, ils se prennent des dommages en plus. Et stase, ils sont ralentis, voire stun. Et ça confirme ce que je disais. Le montant des points de dommages de chaque affliction va influer sur ce qui est mis en priorité. Donc là, c'est éther qui a le plus. Donc c'est éther qui inflige en premier. Ensuite, c'est ombre. Donc c'est malédiction. Donc ouais, ça fonctionne comme ça. Ouais, j'aimais bien l'affliction faiblesse en fait. Je trouvais ça fun. Ouais, putain, je suis bloqué par le décor. Forcément là je viens de prendre un gros boost de dégâts donc c'est d'office plus intéressant. C'est marrant quand j'ai fait crit domination. Ah oui, ça applique faiblesse. Je vais me planquer, hop. Tantôt. Bon, je retourne farmer aussi, bonne chasse. Merci.
chiant. C'est chaud. Rien d'intéressant, rien d'intéressant. Encore. Doucement, doucement. Massue à deux mains, là c'est full éther physique. Arrête de tourner autour. Je suis moins fan de malédiction et de stase. Non, je suis moins fan.
toy to play with. Nice. Sept 13 dégâts physiques ajoutés aux attaques. 8 17 dégâts toxiques ajoutés aux attaques. Dégâts de blessure ajoutés aux attaques. Ouais, régénération de vie, maximum de vie, j'en ai pas mal. Au final, quand je les perds, c'est parce que les mecs en face me foutent des cliffs de fou. Donc voilà. Score d'affliction occulte, plus 10%. Ouais, affliction élémentaire, j'en fais pas. Donc c'est bien, mais ça m'aide pas. Ça me rajouterait juste un petit peu de dommages physiques, un petit peu de dommages toxiques. Mais si je peux pas infliger des afflictions toxiques givre, au final ça sert strictement à rien. Donc ça c'est bien. Sacré 80, 80, 11, 43, blessure ouverte. A priori c'est ça qui fait le plus de dommages, c'est mes blessures. Où qu'il est le petit boss? Il n'est pas encore pop. Dégâts toxiques ajoutés aux attaques, plus 26 de rage par coup. Hein, c'est peut-être ça, j'ai peut-être changé une pièce d'arme ou d'armure qui faisait que je gagnais plus de rage. Score d'affliction élémentaire m'intéresse pas. Épée à une main, givre éther. Sage back. Il est clairement mieux. Les dégâts minimum de cette arme là sont plus haut que mes dégâts maximum, enfin quasiment. C'est juste que score d'affliction matérielle 76%, tu m'étonnes que c'est intéressant. Les ennemis vous gelez, ça on s'en fout. Les dégâts de blessure des attaques avec cette arme, plus mes dégâts de sacré, plus le temps de conservation de la rage. Ouais, jusqu'à présent j'ai pas mieux. Dégâts de givre, dégâts de foudre, résistance à l'élémentaire, score d'affliction matérielle. Dommage. Bon, il faut encore 2-3 mobs, et après on va pouvoir faire le boss. Ou 2-3 packs de mobs. Je vais passer par ici. Physique toxique. Je me demande s'ils ont pas ralenti la vitesse de rotation, tu vois. Au dernier patch, parce qu'il y a... Mais non, le 1.1,
Le 1.7 c'était juste des corrections par rapport au patch coréen. Et en 1.5 il me semblait qu'ils avaient changé un truc pour la tempête de l'âme quand même. Ah, ça va pas changer grand chose. C'est bon, on peut aller faire le boss. Here we go. Et boum. Allez, on va aller chercher les récompenses. Et puis, on va peut-être en relancer un, Fissa. Bien. Chercheurs ne sont pas parvenus à leur destination, mais ont quand même pu ramener du butin. Non? Ouais, bon, ça fera de la thune. Ensuite, qu'est-ce qu'on va monter là-dedans? Rotation, productivité sera augmentée de manière permanente. 600. De l'or. Armure de roublard, issue possible, on sait pas le voir. Bon, on va mettre ça, comme ça, ça me fait de l'or en plus. Convertir l'or en affinité primordiale, mais je ferme plus l'affinité primordiale. Donc on va plutôt faire ça. Je suis à combien d'ailleurs? Je suis à 5000. Il faut combien? Il faut 1000. Ah mais elle est déjà en cours. Donc je peux faire l'autre. Il faut 1000 aussi. Greetings, my lord. Chantier naval. Chantier naval. The city of discovery. Comité préparatoire. Anna Roos, would you stop that? Il faut 100 000 de thunes. Oh, my lord, I did not see you enter. Il faut que je forme la thune. Work will begin immediately, my lord. Il faut de la thune. Allez alors. Peace at last. Don't be shy. Mojave has everything a soldier needs. Ouais, si tu pouvais prendre au premier clic, ça m'arrangerait. Bâton, non. Bon. Excellent. Come back soon. Ouh, que ça m'énerve. Ouais.
faut que je ferme 100 000 pour pouvoir lancer le comité préparatoire, pour pouvoir avoir accès au reste. Et là, je suis à 26 000, donc... On va aller checker ça, fille, ça. Ah, j'ai accès à celui-là aussi. Truc cool. J'ai trois onglets. Allez, alors. Contract. Give me a second. Ça, ça coûte de l'or. More paperwork. Thanks. On va laisser le nécromancien un petit peu générer des mobs. Comme ça, moi, je ferme l'XP. Les nécromanciens durent plus longtemps que les obélisques. Donc ça, c'est l'avantage. Tant que je me régène et que j'encaisse les dommages, au final... Give me the XP, man. En fait, je peux le faire générer des mobs indéfiniment et moi, je prends l'XP. La balle. C'était rigolo. Au moins comme ça on voit un petit peu ce que le bouclier est capable de faire.
pourrais faire ça toute la journée. Wouhou. Alors, amulette, protection de bras. Ouh, il va me casser les couilles, celui-là. Et je suis gentil. Ce qui serait bien, c'est que les globes de vie rechargent aussi les flacons. Parce que quand t'es sur un boss comme ça qui fout rien, pour te mettre des mobs dans la tronche, c'est super relou. Ok, bon, on voit que je commence à manquer d'un tout petit peu de DPS. Vraiment, il va falloir que je me décide à changer d'arme. Plastron, protection de bras, protection de bras. Peut-être à changer de stuff aussi. Bon, j'en suis où? Là, c'est du sorcier, non. Du renégat, non plus. Du cogneur, oui. Férocité, dégâts occultes. Pour le moment, non. Sagesse, corps d'esquive, non plus. Non plus. Niveau suivant.
Sors les mains. Cogneur. La blinde de vie, quoi. Mais j'ai pas de gemme à mettre dessus. Vrai que j'essaye. Parce que j'ai l'impression que à partir du moment où c'est rare, c'est gemmable. Maintenant, ça, c'est une théorie à vérifier. Parce que quand on modifie le nombre de gemmes sur un objet qui a déjà des gemmes, pas qui a la possibilité d'avoir des gemmes, et que ça tombe à zéro, on peut repartir dans le positif. Donc je me demande si tous les rares sont considérables comme potentiellement positivables. Il est tard, c'est vendredi soir, et je dis des mots qui n'existent pas. Mais j'aime bien, donc je continue. Pas de mob à tuer. Hello? Anybody's here? Sérieux? Ok. Un niveau bonus, sans mob. En endgame, je sais pas si c'est réellement intéressant. C'est vrai que j'oublie un truc important, c'est que comme mon affliction principale c'est de la blessure, pour bien faire, il faut que je fasse déplacer les mobs. Parce que les dégâts de blessure sont augmentés quand c'est des mobs qui bougent. Ça vient d'où ces trucs là? Ouais, c'est des boss, ok, d'accord. J'ai pas envie de les faire bouger. Je me demande un truc. Les dagues, ouais, les dagues en fait elles permettent d'accéder à d'autres types de sorts que ceux que moi j'utilise. Donc c'est pas une question de critique ou quoi que ce soit d'autre, c'est juste que c'est pas les bons sorts.
Je rêve ou je viens de voir que Tempête de l'âme vient de monter de niveau. Tempête de l'âme. Niveau 53. Hey! Ah ouais, donc j'ai débloqué au final, mais on continue à monter les niveaux. Et là, je viens de gagner un en plus. Cool. Ça augmente les dégâts critiques. Les ennemis touchés par cette compétence font apparaître des globes de vie. Augmente vos chances d'infliger des afflictions, ça oui. Les ennemis touchés font apparaître des globes de vie. Donc les afflictions, chances de saignement et chances de faiblesse. Nice. Une chance sur 3 d'infliger tout ça. Et si je regarde ici, ah là ça change pas par contre. Mes chances d'affliction, à mon avis ça doit être pour les attaques de base, et ça doit être pour les attaques propres à l'arme. Alarme. Vous bloquez avec n'importe quelle arme. On va pouvoir tester. Là, je suis arrivé dans la zone du boss. Cogneur. C'est ça que je suis pas fan des jeux dans ce style là où au final tu peux choper des armes rares ou légendaires à bas level et quand tu arrives à plus haut level au final t'attends d'avoir des armes aussi bien si pas plus évoluées pour en faire quelque chose. C'est ça qui est dommage. 15 de rage régénéré en tuant un ennemi, 54 régénération de vie, 2% d'absorption de vie globale, la blinde de vie en plus, la blinde de sagesse. Mais est-ce qu'il serait pas temps que je la vire? Et l'autre, elle me fait quoi? Ouais, l'autre, c'est encore pire. Cogneur, cogneur. Ouais, dégâts matériels, réduction en coût en rage. 43 scores d'application d'affliction. Ouais, clairement. Méchamment clairement, en fait. Ça, je dois changer. Ça fera déjà ça en plus. Cogneur, 191 de vie. Là, c'est du lourd.
Résistance à l'occulte, c'est toujours bien. Régénération de vie, pourquoi pas. Robustesse, bah oui. Résistance sur cet objet. Ouais. Dégâts occultes, génération de ressources. 37 de sagesse. Score d'esquive, esquive, je dégage. Oh. Massue à deux mains, dégâts physiques, blessures toxiques. C'est pas celle que j'avais eue tantôt. Bon, alors ça, il faut que je l'applique. Alors, dégâts de givre ajoutés aux attaques, ça je peux virer, ça me sert à rien. Score de résistance élémentaire à l'occulte, score de résistance. Et là, je gagnerai quoi? Résistance à l'élémentaire. Dégâts de feu ajoutés aux attaques. Et résistance à l'élémentaire. On va check. Donc, je suis à 1100, 1200, 1200, 1295. Ah, putain, en occulte, j'ai baissé méchamment. Oh merde, j'ai un fichier chaînement et brûlure maintenant. Ah, c'est ballot ça. Ah, par contre, ça a bien fait monter mes résistances. J'inflige plus à cette sacrée, donc j'inflige du feu à la place. Une blessure ouverte. C'est pas dramatique. Hein. De toute façon, on est en leveling. Bon, il me faut toujours le boss. C'est chiant de chercher les ennemis sur la map quand même. C'est marrant. C'est marrant parce qu'il a des dommages du sacré. Ça, je comprends plus. Méchance d'affliction, c'est du saignement et de la brûlure pour les attaques normales. Sauf que mon tempête de lame inflige saignement et faiblesse. Parce que c'est les dégâts de mon arme. Ok. Donc c'est les dégâts de l'arme. Par exemple, ici on est sur du saignement faiblesse, c'est pareil. Là on s'en fout. La chance de faiblesse 100%. Ok. Et ici saignement faiblesse. Ok. Je vais essayer. Je vais faire mes attaques de base. Ouais, ok. Attaque de base, ça fout le feu. Ok. Bon, c'est clair. J'ai pas regardé si je bloquais bien, par contre. Ouais.
Pas top, mais suffisant. Enfin un jeu où on peut faire du mob train. Yeah. Enfin, tu vas me dire, dans PE, on savait le faire aussi. Mais c'était dangereux. Faire le boss après. Mais... Ah, il m'a ressorti directement. Bon, on va aller faire le boss. Le but c'est de farmer les niveaux. On dirait que j'ai un pet qui me suit. Hein. Non, c'est un mob agressif. Juste que je m'en fous. Il va être dur à battre. Putain, mais c'est pas ça que je veux faire, c'est chiant.
élémentaire, je m'en fais pas, régénération de vie, vie max, chance de coup critique, bof. J'espère que le niveau suivant est abordable. Parce qu'on va l'aborder. Je suis plein d'humour. J'ai perdu pas mal de vie quand même. Bon, par contre, l'explosion du bouclier sur commande, jamais réussi à la faire. Elle doit être un peu buggée. Faire attention, pas faire comme la dernière fois, se retrouver bloqué en plein milieu d'un décor qui n'existe pas. Ou que je crée moi-même. Oh, un petit pack de mobs sympa ça. J'ai pas compris, j'ai pu claquer deux fois mon mastodonte. Génération d'ennemis à l'infini. C'est bien trouvé, c'est bien tenu. De Gavanir.
rien de particulier. Putain, la barre elle monte pas, c'est chiant. I need a breather. Il me faut des PO et des cours de chant aussi. C'est pas possible, ils ont modifié un truc avec la rage, c'est impossible. J'ai jamais eu ça avant, je pouvais générer de la rage pendant 5 minutes sans m'arrêter et là pouf. Ils feraient des mises à jour sans le dire. Les petits coquinous. Tant qu'on y est à foutre des blessures, on va les faire se déplacer un petit peu. Hein? Regarde, le gros au centre, il est aussi gros que moi. On va le faire bouger un peu. Putain, ils ont un sacré pool de vie quand même. Ou alors c'est moi qui ai pas assez de DPS. Ça doit être ça.
sont des bruits dégueulasses. Ok. Un mob immobile. 1050.
J'essaye de voir à quelle fréquence je fais des blocages. Il y a encore un mob qui fait le gros glandu quoi. Il n'y a pas de gemme, mais il y a blinde de sacré dessus, enfin plus que ce que j'ai déjà. Absorption de vie avec les dégâts d'attaque 5%, vitesse d'attaque, ouais, moins 25, dégâts du sacré. Et au final, les deux gemmes que j'ai mis. C'est méchant en fait. Ouais, bah ça confirme ce que je pensais. Les dégâts du sacré, c'est pété. Résistance à l'occulte, dégâts de foudre ajoutés au sort, score de résistance matérielle, score de résistance, vitesse d'incantation. C'est dommage, elle pourrait être intéressante, mais non. Score de résistance, dégâts matériels, score de résistance au matériel, bouclier de force, rythme de régénération du bouclier de force. Ça par contre, elle est déjà un peu plus intéressante au niveau survie. À la place de celle-là. Résistance à l'élémentaire, résistance à l'occulte, 15% des résistances. Je vais tester. De toute façon, les niveaux sont déjà finis. Alors, au niveau de mes résistances. Dégâts du sacré, ça c'est bon. Ensuite on a blessure ouverte. Ok. Ça c'est bon. Au niveau de résistance. Ouais, par contre j'ai perdu pas mal de défense à l'occulte. Et au niveau des dégâts, j'ai pas fait attention. Pas spécialement intéressant. Non, je suis mieux comme ça.
On sort d'ici. Quoi, il y a un deuxième? Bah non, c'est fini. What? Oh, it's you. Welcome back. I'm probably the wrong person to ask about recent developments. Récompense. Ne sont pas revenus de l'expédition. Ils sont morts. Construction de la chambre de chiffon. Rotation des cultures. Ok, j'ai terminé comité préparatoire 2. Donc pour lancer le niveau 3, ça va me coûter la blinde de thunes. Améliorer coffre personnel, ça coûte trop cher. Marché noir, c'est pas intéressant. Ça, c'est pour de l'or. Quand est-ce que je développe la suite? You know, just imagining the peril they're about to endure. Oh, brings back fine memories. Les coups critiques ont une chance d'infliger un châtiment qui ricoche sur les ennemis. En fait, ça pourrait être sympa. Parce que ça voudrait dire que je pourrais propager son type de dégâts. Mais est-ce que le châtiment en question est une affliction ou pas? Que châtiment, c'est pas une affliction bien précise. Tourdissement, empoisonnement, saignement, brûlure, choc, stase, gel, faiblesse, malédiction. Non. Ok, bon, on testera ça. Moi demain, nous tous dimanche. Sur ce, moi je vous dis à dimanche, forcément. Passez une bonne fin de soirée, reviens là toi. Une bonne nuit, évidemment. Passez un bon week-end. Soyez en forme. Ouais, dimanche, il faudra quand même que je vois, parce qu'on a le JDR qui est prévu avec Brenos, Maxou, Rodgar et Yuki. C'est le deuxième épisode. Donc, je sais pas dans quel état je serai, et peut-être que ce sera pas forcément possible de faire le stream. Enfin, je vais quand même essayer, puisque c'est quand même le stream du dimanche. Super important. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci Sombre Étoile. Merci à moi-même pour avoir animé ce stream. J'adore. Je suis un grand fan. Merci à tous ceux qui sont passés, qui ont pas fait coucou, mais je leur en veux pas, parce qu'au final, ils sont quand même passés. Donc, ça fait plaisir. Allez, sur ce, passez une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et on se retrouve dimanche. Salut.